Bonjour à tous, bienvenue à la maison du vélo. Aujourd'hui, je vous dis tout sur le tubeless. Comment démonter vos pneus, comment monter les nouveaux, comment passer en tubeless si vous étiez en chambre à air. On attaque tout de suite. Comme à chaque début de vidéo, un grand merci à tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner, comme c'est indiqué en dessous en cliquant sur le petit bouton, et à activer les notifications en cliquant sur la cloche. Merci d'avance pour votre soutien. On commence avec les questions que vous vous posez le plus souvent quand vous venez au shop. Question numéro 1, est-ce que je dois passer en tubeless? La réponse est oui, absolument oui, c'est vraiment un indispensable. Aujourd'hui, si vous avez un vélo moderne pour des pratiques engagées, du all mountain, de l'enduro, du trail, même si vous n'êtes pas très bon, c'est pas grave, il faut absolument passer en tubeless. C'est pas pour vous vendre la chose, d'ailleurs vous allez voir qu'aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire par vous-même, mais c'est que ça va vraiment apporter un plus en termes de confort, en termes de sécurité. Avec le tubeless, vous allez pouvoir rouler avec des pressions beaucoup plus basse. Ainsi, vous allez profiter des caractéristiques des pneus de dernière génération, mais aussi de toutes les caractéristiques de votre vélo. Acheter un bon vélo d'enduro aujourd'hui à 2500, 3000, 4000 euros et rouler en chambre à air, c'est quasiment impossible. Vous allez devoir gonfler au moins à 2,5 bar si vous roulez sur du terrain technique pour ne pas crever ou pincer à chaque caillou, à chaque racine, même si vous roulez doucement. C'est encore plus vrai si vous êtes en électrique avec le poids du vélo, et ça, c'est vraiment dommage. Donc, n'hésitez pas à virer les chambres à air et à passer en tubeless. De plus, ça va vous aider sur tout ce qui est petite crevaison. Normalement, avec un tubeless bien monté, bien préparé, fini les crevaisons sur les épines, fini les petites crevaisons dues à des cailloux. Tout ça, ça sera rebouché instantanément grâce au préventif. Ça nous amène justement à la question numéro 2. Est-ce que mon vélo est compatible pour être monté en tubeless? Alors, c'est relativement simple en général. Si vos roues sont compatibles tubeless ou si vos pneus sont compatibles tubeless, c'est marqué sur le côté. Vous avez une mention TLR ou tubeless ready. Enfin, la dernière question qu'on nous pose le plus souvent, c'est est-ce que je suis déjà monté en tubeless? Et oui, si vous avez acheté un vélo d'occasion ou même parfois, quand vous achetez un vélo neuf, c'est pas toujours évident de savoir s'il est en chambre ou s'il est en tubeless. Les valves, parfois, peuvent se ressembler beaucoup. Sur certaines valves tubeless, on voit un petit joint torique juste sous la bague de serrage. Dans ces cas-là, il y a de fortes chances que vous soyez en tubeless. Mais attention, c'est pas un élément décisif. Il y a parfois des valves tubeless où vous n'avez pas de joint torique et donc ça sera difficile de les différencier. Pour ça, la meilleure solution, ça va être de dégonfler à moitié votre pneu, de desserrer cet écrou de serrage et d'essayer de pousser la valve. Alors, si la valve ne bouge pas du tout, ça veut dire qu'elle est sûrement coincée. Ça peut être quand même une valve tubeless. Il faut essayer vraiment de la déloger, de pouvoir la pousser. Si la valve bouge complètement et qu'elle s'enfonce dans le pneu, ça veut dire qu'il n'y a rien derrière. Et donc, vous avez bien un montage en tubeless. À l'inverse, si quand vous poussez la valve, elle a tendance à revenir, si vous sentez une résistance derrière, ça veut dire qu'il y a une chambre à air dans le pneu et donc vous n'êtes pas en tubeless. Il y a déjà sur le net beaucoup de vidéos qui traitent du sujet du tubeless. La plupart sont très bien faites, mais ce que je leur reproche en général, c'est que ça paraît trop facile. C'est vraiment la méthode quand tout se passe bien. Vous allez voir un gars qui monte une roue toute neuve, avec un pneu neuf, un flap neuf, des valves neuves. Alors forcément, il clipse le pneu à trois doigts, limite, il n'utilise pas de démonte pneu. Il va mettre trois coups de pompe, pof, le pneu prend du premier coup, il est placé. Dans la vie, c'est pas toujours comme ça. J'avais un habitué qui disait souvent à son fils, la vie c'est pas un manège japonais, c'est exactement ça pour le tubeless. Vous allez voir, 9 fois sur 10, c'est d'une extrême facilité, le montage se fait sans effort. Mais à la 10e fois, on sait pas pourquoi, on va avoir un pneu récalcitrant, une putain de tête de rayon qui fuit, un flap qui veut pas se coller, une valve qui ne prend pas, bref, ça va être une véritable catastrophe. Vous allez y perdre vos nerfs et surtout beaucoup de temps. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui dans cette vidéo de vous présenter étape par étape toutes les astuces et toutes les galères aussi que j'ai pu rencontrer en 3 ans d'atelier au magasin. On démarre tout de suite avec le démontage du pneu. Pour faciliter le travail, vous allez enlever l'air du pneu. Si vous êtes en chambre à air, dévissez votre obus et appuyez dessus. Si vous êtes déjà en valve tubeless, démontez l'obus, ça facilitera la suite des opérations. Ensuite, il va falloir décoller votre pneu tout autour de la roue et des deux côtés, c'est primordial. La forme des jantes fait qu'elles ont un diamètre plus petit au milieu. En poussant le pneu à ce niveau-là, ça va vous laisser de la marge, ce qui va vous permettre de le sortir. Dans la plupart des vidéos que vous verrez sur YouTube, le gars pousse à deux doigts sur le flanc du pneu. Comme le pneu est tout neuf, il rentre tout seul à l'intérieur. C'est magnifique quand ça se passe comme ça. En réalité, vous pouvez avoir parfois des pneus très récalcitrants ou des pneus Schwalbe qui restent bloqués. Pour les décoller, soit vous allez pousser donc un peu plus fort avec les doigts sur le flanc du pneu, sinon la meilleure technique consiste à poser votre roue au sol. Commencez d'abord par le côté où votre disque va être vers le haut, ça évitera d'appuyer trop fort dessus et de risquer de le voiler. Vous allez placer votre pied
sur le pneu, un ras la jante, pour essayer vraiment d'appuyer les deux flancs du pneu vers le sol. Et ensuite, alors attention, ne faites pas le cochon à ce moment-là, on ne va pas tirer sur les rayons, surtout pas. Vous allez saisir la jante près de votre pied avec votre première main. Et avec l'autre main, vous allez saisir la jante à l'opposé et vous servir de la roue pour faire bras de levier. Ça va vous aider, hein, en essayant de faire ce mouvement, comme vous le voyez à la caméra, à décoller le pneu plus facilement. Et vous verrez que la plupart des pneus, on arrive à les pousser. Parfois, ça nécessite un petit peu de temps. Mais avec cette technique, vous arriverez à les démonter sans abîmer votre roue. Votre pneu est décollé, félicitations, vous avez survécu à la première étape. Pour faciliter la chose au maximum, prenez votre roue à 90 degrés de votre valve. C'est là où vous pourrez tirer le plus possible sur votre pneu en face sans que la valve vous gêne dans la manipulation. Pour aider au maximum et avoir le maximum de marge à l'endroit où vous allez tirer sur le pneu, essayez de le faire passer de l'autre côté de votre roue. Essayez de faire quelques mouvements en insérant un démon de pneu et de le lever vers le haut et de le ramener un peu vers l'extérieur. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir insérer en général 2 voire 3 démons de pneu. N'hésitez pas à les mettre en avance, ça va vous aider. Pour les démons de pneus, il n'y a pas forcément de recette miracle. L'idéal, c'est d'en avoir plusieurs. Chacun aura ses caractéristiques. Vous allez avoir des démons de pneus plus ou moins longs, plus ou moins rigides, plus ou moins fins aussi, qui vont rentrer plus facilement sous la tringle du pneu. Chaque modèle a ses forces et ses faiblesses. Attention avec les démons de pneus en métal. Je sais que c'est très tentant quand il y a un pneu qui fait vraiment de la résistance et que vous avez déjà passé 1h30 dessus le samedi soir. Mais méfiance, vous risquez d'abîmer vos jantes. Dans ce cas, si c'est vraiment la dernière solution, la technique, c'est de mettre du scotch en toile, du scotch américain sur la jante avant de venir appliquer votre démon de pneu dessus. Ça pourra vous épargner des belles rayures. Insérez vos démons de pneus assez proches l'un de l'autre. Ne soyez pas trop gourmand. Pour le montage ou le démontage d'un pneu tubeless, le secret, c'est vraiment de prendre votre temps. On y va doucement, on essaye de tirer les deux en même temps ou légèrement décaler l'un par rapport à l'autre pour commencer à sortir le flanc du pneu de la jante. Si vous avez réussi à sortir le flanc du pneu, essayez de retirer l'un des deux démons de pneu et d'aller rattraper le pneu un peu plus loin. Là encore, ne cherchez pas à aller trop loin. Au début, si vous avancez 2 cm ou 3 cm par 3 cm, c'est pas grave. C'est les premiers points qui vont être les plus importants et vous verrez que par la suite, ça ira beaucoup plus vite. Si vous avez du mal à choper le pneu, n'hésitez pas, hein, avec le nouveau démon de pneu, à essayer de le prendre juste à l'endroit où il passe au-dessus de la jante. C'est là où il y aura un petit jour. Si vous avez des démons de pneus assez fins, vous allez pouvoir le couler facilement et réussir à ressortir petit à petit le reste de la tringle du pneu. Une fois que vous avez réussi à sortir le pneu 2 ou 3 fois comme ça, normalement, vous allez pouvoir être un peu plus gourmand sur le placement de vos démons de pneus et sortir le pneu plus largement et ensuite finir la manipulation à la main. Bravo, vous avez sorti le premier flanc du pneu, il n'en reste plus qu'un, vous verrez en général il est plus facile. Là, si vous étiez en chambre, profitez-en pour sortir la chambre à air, ça va vous laisser de la marge. Maintenant, on va sortir le deuxième flanc. L'idéal, c'est de le sortir encore du même côté. Comme pour le premier, essayez de bien replacer le flanc restant au milieu de la jante. Ensuite, on va le tirer par le haut, hein. De la même façon, on va essayer de dégager un peu de marge pour pouvoir le passer au-dessus de la roue. En général, ce sera beaucoup plus facile de ce côté-là. Dès que votre pneu est passé légèrement au-dessus de la roue, soit en le tirant à la main, soit en aidant avec un démon de pneu par le côté opposé, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, n'hésitez pas à essayer de vous appuyer dessus et à le tirer très fortement vers le bas avec votre main. Appuyez bien à proximité de la tringle, comme je vous le montre sur la vidéo, vous allez pouvoir facilement sortir votre pneu. Attention que ça ne parte pas tout d'un coup et que vous finissiez avec le bras contre le disque ou contre la cassette. Méfiance là-dessus, mais en général, ça se passe bien. Le pneu est démonté, c'est déjà une bonne chose de fait. Maintenant, si vous étiez en chambre à air, vous pouvez passer déjà à l'étape suivante. Si vous étiez déjà en tubeless, il va falloir retirer votre valve. Dans ce cas-là, il suffit de dévisser la valve qui était déjà en place. Si elle est serrée très fortement, n'hésitez pas à la prendre avec une petite pince plate ou alors avec une clé plate s'il y a un plat sur les coups de serrage de la valve. Avec le temps, on observe parfois des valves tubeless qui sont difficiles à déloger de la jante. Dans ce cas-là, une fois que vous avez retiré l'écrou de serrage, essayez, si votre valve est munie d'une empreinte clé Allen sur le dessus, de la tourner d'un quart de tour. Ça peut aider à la débloquer. Si jamais elle ne vient toujours pas, on va prendre un démon de pneu et on va venir l'appliquer contre la valve et en le tirant des deux côtés vers le haut, comme je vous le montre sur la vidéo. Tirez bien des deux côtés pour pas risquer de tordre le corps de la valve. Et je rappelle, hein, bien sûr que l'obus est enlevé. Hein. Ne faites surtout pas ça avec l'obus parce que là, c'est sûr que vous allez l'éclater. Normalement, ça devrait vous aider. La roue est maintenant entièrement démontée. On va procéder au nettoyage avant d'appliquer le flap et de préparer donc le montage tubeless. Si vous étiez en chambre à air, vous avez normalement un fond de jambe sur la roue. Il va suffire de le lever. En général, le plus simple, hein, c'est de prendre un petit tour tournevis, le lever au niveau du trou de la valve et d'essayer de le sortir de la jante. Si vous étiez déjà en tubeless, il va falloir retirer le flap. Dans beaucoup de vidéos qu'on voit sur internet, on voit les gars retirer le flap et la roue est déjà nickel comme si elle sortait du magasin. En général, quand vous retirez votre flap, c'est dégueulasse derrière. Il y a toute la colle qui reste dessus, même si on a des flaps de bonne qualité. Si vous avez le temps, surtout ne recollez pas le nouveau flap là-dessus. Ça va moins coller, ça va moins adhérer et vous risquez de devoir tout recommencer d'ici quelques temps. Quand vous avez des flaps qui sont vraiment très vieux, qui sont un peu cuits sur la roue, avant de les décoller, vous pouvez passer un petit coup de décalage
décapeur thermique dessus ou de sèche-cheveux, hein, si vous n'avez pas de décapeur, pour les chauffer légèrement. Ça peut aider à décoller. Attention, ne les faites pas fondre parce que là, ça sera encore pire et vous êtes sûr que toute la colle va rester sur la jante. Il y a juste un tout petit peu de colle. En général, un bon produit dissolvant, un bon dégraissant, ça va aider à enlever ça et il faudra beaucoup d'huile de coude. Il va falloir frotter pas mal avec un chiffon. Dans ce cas-là, le meilleur produit que j'ai pu essayer au magasin, c'est le produit Mucoff, hein, pour enlever tout ce qui est préventif. Il marche également très bien sur les cadres, hein, quand vous avez du préventif qui est resté séché suite à une crevaison. N'hésitez pas à en vaporiser un peu, laissez agir pendant 5 à 10 secondes et essuyez avec un chiffon. Il faut parfois répéter l'opération plusieurs fois. Parfois, même si vous chauffez encore un petit peu avec un décapeur thermique, ça aide aussi la colle à fondre plus rapidement. Par contre, quand toute la colle de votre flap est restée sur la jante, vous pouvez là encore passer 2 jours avec votre produit à essayer de frotter la roue, vous allez perdre énormément de temps. La technique la plus simple que j'ai trouvée et sans risque pour vos roues, c'est la roulette de carrosserie. Donc, je vous mets le lien dans la description, ça vaut 12 euros et ça a tout un tas d'autres utilisations en vélo. Je vous ferai un jour une vidéo là-dessus. En tout cas, comme vous le voyez à l'image, c'est vraiment l'outil idéal pour enlever la colle sur vos roues. Ça vous prendra pas plus de 2 minutes par cercle si vous y prenez bien. Pour un résultat vraiment impeccable. Une fois votre roue complètement nettoyée et tout démontée, il va maintenant être temps de poser le flap. Avant ça, pour que ça accroche vraiment bien, on va encore dégraisser une dernière fois la roue. N'hésitez pas à prendre un dégraissant classique ou un nettoyant frein. Moi, dans cette vidéo, j'utilise le nettoyant frein Mucoff qui marche également très bien. Passez un petit coup. Alors en général, moi je préfère mettre le produit sur un chiffon. Pourquoi? Parce que si vous en mettez plein la roue, il y a du produit qui va se mettre entre les deux parois de votre jante. Vous allez coller votre flap après par-dessus et quand vous allez tourner la roue, il est possible qu'il y ait du produit qui soit resté dans la jante et qui va venir au contact du flap, à l'intérieur du flap et qui risque de le décoller. Si vous avez du liquide qui est entre les deux parois de la jante, n'hésitez pas à mettre un coup de soufflette dans la jante ou alors attendre que ça sèche. Idem, si vous étiez monté en tubeless et que vous refaites votre montage parce que votre flap a été percé, parce qu'il s'est décollé, vous avez probablement du liquide préventif qui est rentré dans la jante entre les deux parois. Je vous conseille de laisser sécher votre roue une nuit, de prendre votre temps plutôt que de recoller votre flap très vite et de risquer d'avoir du préventif qui va se balader dans la roue et qui va venir décoller ce dernier petit à petit et vous obligera à faire un remontage dans quelques temps. Le secret pour la pose du flap, donc on l'a dit avant, c'est d'avoir une roue très propre et c'est de choisir un bon flap. Faites pas des économies de bout de chandelle. Pour ma part, hein, j'ai essayé au tout début, même quand j'étais pratiquant, d'acheter du flap NIT, hein, pour pas le citer, à vraiment pas cher, à 3 euros sur internet. Vous avez tout un tas de marques qui proposent ce flap un peu jaune beige qui sert vraiment à rien. Franchement, ça colle pas, c'est pas extensible. On arrive à monter des roues quand vous avez des jantes très faciles, très plates, très larges. Oui, ça fait le job, mais dès que vous avez une jante un peu compliquée ou alors si vous voulez garder très longtemps, c'est vraiment pas le produit que je vous conseille. C'est difficile de trouver un bon flap. J'ai vraiment essayé plusieurs marques. Jusqu'à maintenant, celui que je préférais, c'était le flap de chez Mucoff. Mais depuis quelques temps, je sais qu'il y a Velox qui a un flap qui est plutôt pas mal. Alors, il paye pas de mine. C'est pas celui qui plaît le plus en magasin parce qu'il est tout noir. On a l'impression que c'est du scotch d'électricien, mais il colle pas trop mal. Je vais dire un tout petit peu moins que le Mucoff. Par contre, il va être plus extensible. Le seul défaut de ce flap, c'est que comme il est tout noir, quand vous le passez sur une jante noire, vous voyez pas toujours où vous êtes passé ou alors où vous avec commencé. Et donc j'ai trouvé le produit vraiment idéal ces derniers temps, c'est le flap de chez Pitties. Ils ont changé de composition, je trouve il est beaucoup plus extensible que les dernières versions. Ça colle autant que du Mucoff et c'est aussi extensible que le Velox, donc on a vraiment les qualités des deux produits précédents. Il est pas plus cher, hein, que le flap Mucoff et vous verrez c'est top à poser. En plus il est livré avec les scotch de finition qui vont vous permettre, hein, vraiment d'avoir une jonction propre et sûre une fois que vous avez terminé la pose. Pour commencer la pose, vous verrez plusieurs écoles. J'aime bien commencer à 10-15 cm avant le trou de la valve, faire un tour complet et m'arrêter 10-15 cm après. Pour la largeur du flap que vous allez poser, il y a aussi plusieurs écoles. On voit parfois des vidéos où les gens vont vous conseiller de prendre une largeur égale à la largeur interne de votre jante. Par exemple, si vous avez une jante en 30 mm de largeur interne, vous mettez un flap de 30. Je suis pas forcément partisan pour cette méthode. On a un flap très large, il va vraiment venir sur les bords et c'est là où on aura tendance à le décoller plus vite à chaque fois qu'on va pousser le pneu, qu'on va devoir décoller le pneu, par exemple pour remettre du préventif ou pour changer de pneu. Ensuite, d'avoir un flap très large, surtout si on a des jantes très creusées, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus difficile à poser et à appliquer sans faire de bulles. L'objectif du flap est de couvrir les trous des têtes de rayon. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'une largeur excessive, même si vous avez une jante en 30 ou en 35 mm de largeur interne. L'alu de la jante en soi est étanche, la jonction de votre jante est étanche si elle est tubeless ready, et en plus quand vous allez mettre du préventif, tous les petits trous qui pourraient rester vont être bouchés par le liquide. Donc voilà, ne choisissez pas un flap trop large. Je sais qu'en général à l'atelier, moi avec du flap en 21 mm et en 23 mm, on arrive quasiment à faire toutes les roues de VTT modernes. Pour la pose du flap, on va coller une première partie, essayez de bien l'appliquer, surtout si vous avez des jantes assez creuses, dans la partie intérieure, dans la partie au milieu de votre jante, pour vraiment qu'il y ait le moins de bulles possible. Et au fur et à mesure, vous allez tourner votre
votre roue et tendre votre flap avant de le reposer sur la jante. Ça va aider vraiment à le coller et bien le faire rentrer dans la partie du milieu de la roue. Ça, c'est vraiment très important. Il ne faut pas que votre flap soit collé que sur les bords, hein, à l'extérieur de la jante. Il faut vraiment qu'il vienne épouser le trou des têtes de rayon, la partie en tout cas où vous avez les têtes de rayon, parce que sur certaines roues maintenant, on a aussi des têtes de rayon désaxées qui vont être plus d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, c'est vraiment important que tout ça soit recouvert pour que votre roue soit le plus étanche possible. Pour la fin, pensez à découper votre flap en biseau, ça va permettre qu'il se décolle moins rapidement. Coupez-le au ciseau ou au cutter comme vous voulez, mais faites en sorte que ça soit propre. Et si vous avez les scotchs de finition comme sur les kits Mukoff ou Pitties, n'hésitez pas à le mettre. Prenez votre nouvelle valve ou l'ancienne si elle était encore bonne. Percez le trou dans le flap avec un cutter ou avec une pointe de ciseau. Pensez à faire ça propre là encore, hein, allez pas arracher tout le flap que vous venez de poser. Et au niveau du serrage, c'est la question qu'on me pose souvent. Ne cherchez pas à serrer trop fort. Alors faut quand même que ça soit serré, faut pas que votre valve se desserre en roulant. Par contre, ça sert à rien de la serrer au tube. Si vous serrez très fort hein, sur certaines valves, vous allez écraser la petite embase en caoutchouc qui vient s'appliquer contre la jante et vous allez perdre l'étanchéité. L'important c'est que tout soit bien raccord, qu'il n'y ait pas d'air qui puisse passer et pas de liquide préventif par la suite. Pour les valves, vous trouverez tout un tas de marques qui vont plutôt bien sur le marché. Pour ma part, j'utilise des valves Pride Racine. C'est une marque à l'origine qui faisait des pièces pour le BMX. Elles sont usinées en aluminium. Vous avez un joint torique sous l'écrou de serrage. On a une partie plate au niveau de l'écrou de serrage qui permet de le serrer ou le desserrer à la clé plate. Vous avez aussi une empreinte clé Allen pour une clé de 4 mm sur l'arrière de la valve qui permet de la débloquer quand elle est coincée dans la jante. Et en plus, on les retrouve dans plusieurs coloris pour un prix qui est vraiment très abordable hein, puisqu'on a entre 16€ et 19€ pour la version couleur Oil Slick. Vous verrez que suivant les marques, il existe quand même des différences. Pour ma part, j'ai quand même pu constater que les pneus de la marque Schwalbe étaient quand même souvent les plus durs à installer. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que le diamètre, on va dire, intérieur est légèrement plus petit, ça joue à pas grand chose. Mais en général, quand je suis emmerdé avec un pneu, c'est quand même souvent avec un Schwalbe. Et en plus, on peut voir qu'il y a des combos qui vont pas forcément ensemble. Par exemple, quand vous avez des jantes Mavic montées avec des pneus Schwalbe, alors là, souvent, vous avez le combo ultime, vous pouvez y passer 2 heures. Idem sur certaines jantes carbone. Je pense que sur les jantes carbone, peut-être un profil, je sais pas, un tout petit peu plus haut, un diamètre extérieur un tout petit peu plus grand. Souvent avec les Schwalbe, ça a tendance à coincer. Alors c'est pas que j'aime pas la marque, hein, les pneus sont vraiment très bien, je pense même que c'est quasiment les plus résistants au niveau des flancs, mais on a souvent des soucis au montage ou au démontage. À l'inverse, hein, quand on monte du Maxxis, on est quand même très rarement embêté. Idem avec le Michelin, je trouve que ça va plutôt bien. J'ai pu essayer également du Honza, en général il n'y avait pas de soucis particuliers à signaler. Avant d'installer votre pneu, comme sur un modèle classique, assurez-vous de l'installer dans le bon sens. Normalement, vous avez une flèche qui va vous indiquer le sens de rotation. Méfiance quand vous placez votre roue. Ensuite, si vous voulez faciliter le montage et ça va vous aider également au moment où vous devrez claquer votre pneu, je vous conseille de l'asperger avec un mélange d'eau et de savon ou d'eau et de produits vaisselle. N'oubliez pas d'en mettre des deux côtés. On va passer le premier flanc, essayez de repenser à ce qu'on a fait lorsqu'on a démonté le pneu juste auparavant. Donc de la même façon, vous allez installer à la main le flanc à l'intérieur de la jante, essayez de bien le pousser au milieu pour avoir le maximum de dégagement possible à l'opposé pour pouvoir le passer au-dessus du rebord de la roue. Essayez d'insérer le maximum du pneu que vous pouvez à la main et quand vous arrivez au moment où ça coince, on va venir utiliser les démonts de pneus. Comme pour le démontage, ne soyez pas trop gourmand, allez-y petit à petit et faites attention à ne pas abîmer votre jambe ou à ne pas trop tirer sur la tringle du pneu neuf. Félicitations, vous avez passé le premier flanc, on va attaquer maintenant le deuxième. Pour l'instant, on ne s'occupe pas du liquide préventif. Comme pour le premier, essayez de passer le plus possible du second flanc à la main et maintenez-le bien au milieu de la roue. Veillez à ce que l'autre côté ne se soit pas collé à l'extérieur de la roue. Hein. Pensez à replacer votre pneu tout au centre de la jante des deux côtés pour que vous ayez là encore le plus de place possible. À nouveau, on va venir terminer avec les démons de pneus. En général, si vous tirez bien votre pneu, que vous le calez bien sur la jante, un seul démon de pneu suffit. Si vous tendez bien votre pneu quand vous rentrez le démon de pneu et que vous tirez, le reste du pneu ne doit pas sortir. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à utiliser un deuxième démon de pneu pour bloquer la tringle et éviter que le pneu sorte au fur et à mesure où vous le rentrez de l'autre côté. Essayez de démarrer plutôt par la valve quand vous installez ce deuxième flanc et de terminer plutôt à 90 degrés de la valve. Comme pour le montage, hein, cette technique va vous permettre d'avoir le maximum de souplesse, le maximum d'espace pour pousser le pneu à l'intérieur, à l'opposé de l'endroit où vous essayez de le rentrer. Victoire, vous avez fini par rentrer le deuxième flanc du pneu. Le montage tubeless est quasiment terminé. Alors attention, il ne faut pas se relâcher pour autant parce que c'est souvent à ce moment-là qu'on rencontre encore pas mal de soucis. Déjà, assurez-vous que le pneu est bien en place des deux côtés. Regardez bien, inspectez la roue des deux côtés. N'hésitez pas à regarder au niveau de la valve. Ça arrive parfois que pendant le montage, vous ayez vraiment la tringle qui monte sur la valve. Et dans ce cas-là, quand vous allez essayer de gonfler et de mettre en place le pneu, forcément de l'air va s'échapper. N'hésitez pas à travailler un peu le pneu avec vos mains tout autour de la roue pour qu'il se mette vraiment bien en place et que ça soit le plus étanche possible.
possible quand vous allez commencer à gonfler. Pour le gonflage, si c'est pas déjà fait, il va falloir démonter l'obus de votre valve. Ça va permettre d'avoir un flux d'air plus important au moment du gonflage et donc de mettre en place votre nœud plus facilement. Il va venir se claquer plus rapidement. À ce moment, on va avoir deux cas de figure possibles. Celui qu'on espère tous, vous commencez à gonfler, le pneu se met en place tout seul, on sent que l'air commence à prendre dedans et petit à petit vous allez entendre les tringles claquer lorsque le pneu se met en place contre la jante. Là c'est que du bonheur, ça veut dire que le montage est bientôt terminé. À l'inverse, la hantise de tout le monde quand on monte un pneu tubeless, c'est d'entendre l'air qui s'échappe et de voir que votre pneu ne prend pas du tout. Dans cette situation, vous avez plusieurs astuces possibles. La première, ça va être d'essayer de lever votre roue. En effet, quand on gonfle la roue, quand elle est au sol, on a souvent ce tendance à appuyer dessus. Ça va créer une déformation du pneu et forcément ça va laisser de l'air s'échapper. Essayez de tenir la roue en l'air, si possible sans appuyer sur le pneu, ou alors vous pouvez l'attacher à votre pied d'atelier par exemple. Dans certains cas, ça peut permettre au pneu de prendre, de se gonfler et donc de venir se mettre en place. Si jamais ça ne suffit pas, vous avez la possibilité d'essayer de maintenir votre pneu contre la jante. Alors comme on n'a pas 8 bras, il va falloir trouver une astuce. Vous avez certaines personnes qui essayent de mettre une chambre à air autour. Je sais que souvent le plus simple c'est de passer une sangle tout autour de votre roue comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Ça va permettre de maintenir votre pneu bien dans la jante et d'éviter au maximum à l'air de partir de chaque côté. Malheureusement parfois ça ne suffit pas. Alors certaines personnes peuvent vous conseiller à ce moment d'essayer de mettre le préventif dans le pneu. Avec le liquide préventif, ça va amener une étanchéité supérieure qui peut permettre de remédier au problème. Je suis pas forcément pour ça, parce que si votre pneu prend toujours pas, que vous devez le démonter, vous allez avoir du préventif partout. Vous allez sûrement en perdre d'ailleurs pendant vos tentatives de gonflage. Et en plus, il faudra le jeter ou alors essayer de le récupérer. Bref, ça peut être vite une grosse galère. Dans ces cas-là, si malgré tout ce qu'on a dit avant, le pneu ne prend toujours pas, je trouve la meilleure solution, ça reste d'ouvrir votre pneu, d'enlever la valve tubeless, de placer une chambre à air dedans, de bien gonfler à 3 bars, 3 bars 5 et de laisser votre pneu comme ça pendant 1, 2 ou 3 jours pour qu'il prenne bien la forme de votre jante. Souvent on a des soucis pour claquer un pneu neuf ou pour claquer un pneu qui est très usé où la tringle sera déformée. En mettant la chambre à air, en le laissant gonfler de la sorte, ça va permettre au pneu de bien prendre la forme nécessaire et vous verrez que vous arriverez plus facilement à monter votre pneu par la suite avec la valve tubeless et puis ensuite avec le liquide préventif. Dans cet esprit, j'ai déjà vu des gens qui vous conseillent de mettre une chambre à air dans le pneu, de le mettre en place, de le faire claquer avec la chambre à air et ensuite de déclipser seulement un flanc, d'enlever la chambre à air et d'essayer de le gonfler. Personnellement, je trouve que cette solution ne marche pas du tout. En général, quand vous avez un flanc clipsé et un flanc qui n'est pas clipsé, c'est très délicat pour mettre en place votre pneu. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé sur des montages de pneus route tubeless de ne pas réussir à les mettre en place et au final, je me suis rendu compte que c'est parce qu'il y a un des deux flancs, celui qui était derrière, que je ne voyais pas, qui s'était clipsé. Ça fait que le pneu était de travers dans la jante et donc de l'autre côté, toute l'air s'échappait. L'idéal pour que votre pneu se mette en place facilement, c'est qu'il travaille de façon symétrique. Donc je vous déconseille vraiment cette solution. Comme on parle de la mise en place du pneu, un petit mot maintenant sur le compresseur ou la pompe. Alors on entend un peu de tout là-dessus. À mon avis, si vous passez au tubeless, c'est quand même intéressant d'avoir un compresseur à la maison. Je sais qu'il existe de très bonnes pompes à pied. Je sais qu'il existe par exemple des tubeless tanks comme on trouve chez Zefal. C'est une sorte de petite boîte que vous allez gonfler avec votre pompe. L'air va s'emmagasiner, va prendre pas mal de pression et donc vous allez pouvoir libérer toute cette pression d'un coup pour claquer votre pneu. C'est pratique, ça marche plutôt bien, mais attention, ça aura ses limites dans certains cas de figure. Idem pour les très bonnes pompes à pied. J'ai déjà vu même mettre en place des pneus tubeless avec une très bonne pompe à main, mais ça reste toujours délicat et vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur un modèle un peu capricieux. Je vous conseille quand même dans la mesure du possible de vous équiper avec un compresseur. Aujourd'hui on trouve des compresseurs de très bonne qualité aux alentours des 80-90 €. Ça sera quand même la solution la plus simple. Une fois que vous avez terminé de mettre en place votre nœud, que vous l'avez gonflé aux alentours de 3 bars, 3 bars 5, attention, méfiez-vous des pressions maximales. N'hésitez pas à regarder sur le côté du pneu la pression maximale conseillée par le fabricant. J'ai déjà vu des pneus tubeless éclater, je peux vous dire que ça fait pas de bien. D'ailleurs à ce moment-là on est content de ne pas avoir encore mis le préventif à l'intérieur, parce que quand ça éclate avec le préventif dedans, je vous raconte pas les dégâts. Assurez-vous que le pneu est bien monté partout des deux côtés. Normalement, vous avez une ligne qui suit le rebord de votre jante. L'écart entre le bord de la jante et cette ligne doit être régulier, doit être uniforme tout autour de la roue. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à débrancher le compresseur ou votre pompe de la roue et essayez d'aider un peu le pneu si vous êtes déjà arrivé à la pression maximale. Allez pas monter à 5 bars, par exemple, si la pression maximale est indiquée à 3-5. Normalement, si vous avez aspergé votre pneu avec de l'eau et du produit vaisselle ou de l'eau et du savon, comme je vous indiquais avant, ça va vraiment aider le pneu à se mettre en place tout seul. Si jamais il est encore un peu réticent, en l'aidant, en le tordant un peu à la main, une fois qu'il est bien gonflé, il devrait finir par se caler. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à tout redégonfler, redéclipser les deux côtés du pneu et recommencer le gonflage.
Une fois que votre pneu est bien mis en place, on va pouvoir enlever la pompe ou le compresseur et le laisser se dégonfler doucement. Le laisser pas se dégonfler trop vite, les flancs risqueraient de se déclipser. L'idéal, c'est plutôt qu'il se dégonfle rapidement et que vous n'ayez pas les flancs à remettre en place. On va pouvoir maintenant insérer le liquide préventif que vous pouvez mettre grâce à une seringue spécifique. Pour ma part, j'utilise les dosettes Mucoff, c'est vraiment plus pratique. Vous venez la clipser sur la valve, vous tournez votre roue et vous laissez le liquide préventif s'écouler une fois. On me demande souvent la quantité à mettre dans votre roue. Alors ça va dépendre du type de roue que vous avez, de la largeur et aussi si votre pneu était déjà monté en tubeless, donc s'il y a déjà une certaine quantité d'ancien liquide qui est dedans et qu'il l'a plus ou moins étanchéifié. À titre d'exemple, pour une roue VTT en 2.5 avec un pneu neuf, une jante neuve, on mettra en alentours de 100-120 ml dans chaque. Le préventif inséré, ne vous reste plus qu'à regonfler votre pneu. Là encore, on va venir le mettre à 3 bar 5 suivant les préconisations du constructeur. Débranchez la pompe ou le compresseur et bouchez le trou de la valve avec votre doigt. On va alors remettre en place l'obus et le serrer. À ce moment-là, vous croyez être tiré d'affaire, vous pensez que le montage est terminé, mais c'est là où souvent les problèmes redémarrent. En effet, il va falloir vérifier si vous n'avez pas de fuite sur la roue. La méthode la plus simple à l'ancienne, approchez votre oreille de la roue et essayez d'écouter si vous n'entendez pas de fuite, notamment au niveau de la valve ou des têtes de rayon, voire du pneu. Ensuite, visuellement, vous pouvez regarder si vous voyez pas de liquide préventif qui s'écoule à certains endroits de la roue. Si jamais c'est le cas, pas de panique. Votre roue n'a pas encore tourné, elle n'a pas encore été utilisée. Il est possible que le liquide préventif ne se soit pas répandu partout où il doit aller. N'hésitez pas à faire tourner la roue ou à rouler un peu avec votre vélo pour que le liquide se répartisse bien partout. Ça peut parfois prendre plusieurs minutes. Si malgré ça, vous entendez toujours des fuites, il va falloir essayer de voir d'où elles viennent. Soit vous avez de la chance et on voit du préventif qui s'écoule, soit sinon je vous conseille de prendre de l'eau et d'essayer d'asperger la roue avec celui-ci. Ça va vous permettre de voir où les bulles s'échappent, si c'est au niveau de la valve, des têtes de rayon, ou des flancs du pneu, ou de la jonction de la jante. En général, vous pouvez rencontrer les fuites suivantes. Si ça fuit au niveau de la valve, c'est souvent le moins inquiétant. Ça veut dire que votre valve n'est pas assez serrée, ou alors à l'inverse, c'est même un peu trop serré et que l'étanchéité n'est pas bonne avec la jante. Donc n'hésitez pas à modifier le serrage pour voir si ça remédie au problème. Si vous avez une fuite au niveau de la tringle du pneu, ça veut souvent dire que votre pneu n'est pas complètement plaqué. N'hésitez pas à essayer de le gonfler un tout petit peu plus, toujours en respectant les normes du constructeur, ou alors à essayer de travailler un peu votre pneu à la main pour qu'il se mette vraiment dans le fond de la jante, pour que le talon du pneu, la tringle du pneu soit bien calé contre le bord de la jante. Si vous observez des fuites au niveau de la jonction de votre jante, là pas de panique, bien souvent le liquide préventif va permettre de colmater celle-ci. Ça vous demandera juste peut-être un tout petit peu plus de temps. Il faudra donc encore continuer à faire rouler la roue et laisser sécher celle-ci. Idem si vous constatez quelques fuites sur votre pneu. Si c'est un pneu neuf, on peut apercevoir quelquefois des fuites ou des traces de porosité sur les flancs. Alors ça va varier suivant la marque du pneu et suivant sa qualité. Il faut savoir qu'en général, ça s'estompe dans le temps. Si jamais ça s'estompe pas, soit votre pneu a un défaut, ça peut arriver, on en voit de temps en temps, soit votre pneu est trop vieux, il a trop vécu, les trames du pneu ont trop travaillé, ou alors tout simplement, il n'est pas tubeless ready. Là où c'est le plus embêtant, c'est si vous avez des fuites au niveau des têtes de rayon. Ça peut être un gros problème. Si vous avez de l'air qui passe au niveau des têtes de rayon, ça veut dire que le flap n'est pas étanche. Il va falloir tout démonter et recommencer à la première étape. Dans tous les cas, sachez qu'il faut parfois un peu de temps pour que l'étanchéité de votre roue se stabilise. Il n'est pas rare de retrouver votre roue à plat alors que vous l'avez fraîchement montée la veille. Même si le montage a été bien fait, même si vous n'avez pas trouvé de fuite, mais parfois ça prend juste un peu de temps. Par exemple, sur la dernière roue que je me suis montée à titre perso, il a fallu que je regonfle quasiment deux fois ma roue. Depuis, j'ai pu toucher depuis 6 mois. Ça, c'est la magie du tubeless. Parfois, il faut quelques roulages pour que le produit se répartisse vraiment bien partout et puis qu'il fasse son office. Une fois votre roue bien étanchéifiée, que vous êtes sûr de votre montage, vous allez pouvoir descendre à la pression souhaitée. En général, sur des vélos de All Mountain ou d'enduro, on va situer en dessous des 2 bars, 1 bar 5 à l'avant, 1 bar 7, 1 bar 8 à l'arrière, et vous verrez que vous allez pouvoir profiter pleinement de votre vélo et de toutes ses qualités. Avec le tubeless, ça demande plus de suivi par contre qu'avec un pneu en chambre à air classique. Le liquide préventif qui est à l'intérieur va sécher, il va sortir au fur et à mesure par les flancs, par d'éventuelles petites crevaisons. Il faudra donc penser à en remettre de temps en temps. En général, on conseille d'en remettre tous les 4 mois ou tous les 6 mois, donc ça vous fait à peu près une fois ou deux fois par an, même si vous ne roulez pas. Ça c'est très important, j'ai souvent des gens au magasin qui me disent « Ouais, mais j'ai pas utilisé mon vélo depuis 6 mois, je comprends pas pourquoi je dois en remettre. » Au contraire, moins vous roulez, plus votre liquide va avoir tendance à sécher dans le fond de votre pneu et plus il sera inefficace lors des petites crevaisons. Pensez donc à recharger régulièrement votre préventif. Si jamais vous ne vous rappelez plus quand vous avez mis du liquide pour la dernière fois et que vous voulez tester votre niveau de liquide, le plus simple, c'est de dégonfler votre roue, de démonter votre obus et dans la valve, si vous ne roulez pas en mousse, vous allez pouvoir placer une petite tige ou un collier rilsan ou un rayon. Attention de ne pas aller perforer votre pneu par contre, ce qui va vous permettre de faire un peu comme avec une javille dans un moteur de voiture. Quand vous allez sortir le rilsan, vous verrez s'il est humidifié grâce au liquide préventif et sur quelle hauteur. Ça vous donnera une bonne indication. Si jamais
mais il faut remettre du liquide ou si vous pouvez attendre encore un peu. Voilà pour cette nouvelle vidéo sur le montage tubeless. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je compte sur vous pour liker et partager la vidéo tout autour de vous. Ça pourra aider sûrement d'autres personnes. Je vous souhaite donc une bonne séance de mécanique, un très bon ride par la suite et une bonne journée. À bientôt à la maison du vélo.